Le vendredi 28 avril a été la deuxième et la dernière journée des panels sur les industries culturelles et créatives organisées à marge du festival Afrobeat de Ouaga. Les panélistes ont échangé longuement sur deux sujets, l'un sur le financement des industries créatives et l'autre sur la mobilité des artistes dans l'espace Yomoua. Les panélistes sont venus d'horizons diverses du Burkina Faso avec Alif Nava, artiste, musicien et directeur du REMA, Bukari Wetrago, consultant culturel du Sénégal avec Ba Lamine, directeur d'Afrique de musique in Africa, et Rémi Sayan, expert en politique culturelle, du Mali avec Mori Touré, spécialiste culturel et journaliste. Il ressort des échanges que malgré la disponibilité des textes ou des politiques d'accompagnement au monde culturel, il reste beaucoup à faire, surtout pour la mobilité des artistes qui trouvent des difficultés, surtout dans la zone Iomoa. La conjugaison entre le politique et les acteurs culturels, toutes catégories confondues, est nécessaire pour une meilleure émergence de nos industries culturelles et créatives. Dans la soirée, place aux activités festives et aux prestations d'artistes. La scène d'Afrobeat a été occupée tour à tour par des artistes déterminés à faire vivre le public, a sorti nombreux pour la circonstance. Le podium fut occupé par Paracetamol. Sabda Ja, Marco, Amzi et Kaya Woto à la soirée du troisième jour du festival Afrobeat de Ouaga.